aujourd'hui, il y a des jeunes qui arrivent à ouvrir encore. Dans un massif où j'ai toujours dit que c'était fini. L'histoire, elle continue, il y a encore des belles pages à écrire et Vivian est l'une des plus belles plumes que l'on a aujourd'hui en matière de glisse. Dans le geste même et aussi dans la ligne, il a un côté créatif, artistique qui est très fort. Tu peux mettre plein de personnages, tu peux mettre plein de gars au pied d'une montagne et chacun va voir quelque chose de différent. Et c'est ça que je trouve beau. Cet hiver, il a été rythmé par des belles rencontres et rythmé par des grosses réalisations. Ça s'apparentait un peu à faire du snowboard en paroi, quoi. C'est la première fois de ma vie, c'est sûrement la dernière que je le ferai. D'aller au Nant-Blanc, c'était vraiment pour essayer de disquer le plus possible. Tous les projets que j'ai eus, ils ont construit ça. C'est un rêve de gosse, c'est un rêve de skieur. Bah, Vivian, j'ai l'impression qu'il a la même vision que tous les autres skieurs, sauf que lui, il a des meilleures lunettes.